L'honorable député d'Alphonse Colin. Si on veut combattre la radicalisation, il est essentiel que le fédéral travaille avec les communautés qui sont sur le terrain. Au lieu de ça, les conservateurs utilisent la menace terroriste pour faire avancer leur agenda politique. Les experts craignent que cette façon de faire soit carrément contre-productive. On s'entend tous ici pour dire que le terrorisme, oui, c'est une menace. Alors, est-ce que le ministre reconnaît que cette question est trop importante pour qu'il en fasse un enjeu électoral? Bravo. Je voudrais remercier mes collègues pour cette question. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'occasions pour le gouvernement et les agences, les départements de gouvernement, d'avoir les consultations avec la communauté et les efforts de counter les radicalisations. But Mr. Speaker, let's be clear, this is not an issue of playing politics. This is an issue of imminent threats. This is an issue that we are adapting to in an evolving threat environment. That's why this legislation is brought forward, Mr. Speaker. That's why these efforts are ongoing, and that's why the members opposite should support it.